Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des matchs abonnés numéro 2. Donc, on va jouer contre un nouvel abonné cette fois-ci. Et on voit que pour le premier match, j'ai nouveau pris le Brésil. Il a pris l'Argentine et ça commence bien pour nous. On obtient un penalty. Donc, ce match, on va essayer de faire du beau jeu et de tenter des beaux dribbles. On voit aussi qu'il obtient un carton jaune. Et on ouvre donc le score avec Neymar dès la troisième minute de jeu. Donc, un but sur penalty, c'est pas génial, hein. C'est vraiment nul à chier même. Il va se procurer une occasion à la 8ème minute avec son joueur. Et on fait aussi un penalty avec David Luiz. Donc pour l'instant, deux penalties. Messi ne tremble pas non plus. Donc les deux capitaines des deux équipes qui marquent pour ouvrir le score. Un partout à la 10ème minute. Une nouvelle occasion pour lui quelques minutes après. Avec Sergio Aguero qui part au but. Il réussit à se jouer notre défense et frappe. Il porte le score à 2 buts à 1. Donc un match avec beaucoup d'action pour l'instant à 12ème minute et déjà 2 buts à 1. On va récupérer une balle ici. Et regardez ça, la frappe qui arrive sur la transversale puis sur le poteau. Manque de chance cruel, mais c'est pas grave. On continue d'attaquer à la 41ème minute avec Coutinho. On sert Firmino qui va se présenter face au gardien. Et tente un lob, ça rentre presque. Et le défenseur qui vient sauver la balle sur la ligne. Encore une fois, avant la mi-temps, il va se procurer une occasion avec Messi qui frappe. Ça passe à côté. 49ème minute de jeu, Neymar va faire quelques dribbles, on essaie de remonter le terrain. On voit qu'il n'arrive pas bien à défendre, on envoie ses défenseurs dans le vent avec un très beau dribble, on part au but, mais on se fait reprendre juste avant et là, bug du jeu, son gardien met un but contre son camp. Donc franchement, les buts qu'on a mis n'étaient pas géniaux, hein. On voit ici que le but contre son camp est assez bizarre, il y a son gardien qui pousse la balle contre son but, j'avais jamais vu ça auparavant. On continue de dribbler avec Neymar. Donc on voit qu'on élimine joliment ses joueurs. On va se rapprocher du but et tenter une frappe lointaine qui passe juste au-dessus du filet. On le revoit mieux avec cette caméra, la balle qui touche le haut du filet. 59ème minute, Douglas Costa sur le côté. Réussit aussi à dribbler des joueurs. Il va réussir à rentrer dans la surface de réparation. Continue à dribbler. Il se présente face au gardien. Et là, on tente une finition en talonnade, mais c'est sauvé par son défenseur. Et de toute façon, je ne crois pas que c'était cadré. 67ème minute de jeu, toujours 2 partout, et on va tenter d'attaquer avec Firmino cette fois-ci. Il sert Neymar sur le côté gauche. Neymar qui s'arrête et tente une très belle frappe, mais magnifique claquette du gardien. Fin du match, donc 2 partout, des buts plutôt moches. Et on va partir donc pour un deuxième match. Et ça commence dès la 5ème minute de jeu avec un beau jeu de passe. Oscar qui enlève un joueur et sert Douglas Costa en profondeur. Mais après, là, j'ai tenté de m'enflammer, j'ai dribblé le gardien, mais on tire sur le poteau. Coup franc bien placé avec Oscar à la 12ème minute, 29 mètres du but et le tir est parfait. La balle arrive dans le petit filet et on ouvre le score à la 13ème minute. Très joli coup franc, on voit ici que la balle se loge pile au bon endroit. Ça fait 1-0. Notre adversaire qui tente une belle frappe. Et là, je tente un dribble avec David Luiz, j'ai fait le con. Et du coup, il tire sur le poteau, on a beaucoup de chance sur cette action. Messi qui ne parvient pas à trouver le petit filet. 19ème minute, on trouve Hulk sur le côté droit. On sert Ribeiro, donc un joueur 5 étoiles, on voit qu'on se fait plaisir avec deux très beaux dribbles. On se présente face au gardien, et là je voulais faire un crochet, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Ici on voit le hocus pocus de Neymar, je crois. On sert Oscar sur le côté gauche, le Ronaldo chope, et on tente une frappe à l'entrée de la surface, ça arrive sur la barre. Une action qui part de la défense avec un très beau contrôle de David Luiz. On passe la balle à Neymar, on va faire quelques dribbles avec Neymar. Après, on élimine encore des joueurs, on remonte jusqu'au milieu de terrain. Et là, grosse faute de notre adversaire. Il va donc écoper d'un carton rouge. Alors que nous ne sommes qu'à la 38ème minute de jeu. Il va jouer à 10 contre 11 pendant une grosse partie du match. On revoit ici le tacle par derrière sur Neymar. Le carton rouge est mérité. Juste avant la mi-temps, avec David Luiz, on réussit même à dribbler un défenseur. Bon, c'était un petit crochet, c'était pas exceptionnel. Une talonnade de Coutinho en petit pont. Donc ça, c'est un peu chanceux, hein, c'est pas fait exprès. Ribeiro qui sert Hulk dans la profondeur. Le gardien qui nous contre une première fois, on réussit à le dribbler, mais malheureusement notre frappe est arrêtée. Et juste avant la mi-temps, il va avoir une occasion avec Messi. Il réussit à nous mettre dans le vent toute notre défense et frappe. Heureusement, ça passe au-dessus. Très belle occasion de notre adversaire. Et c'est toujours pas fini avant la mi-temps. Il va avoir encore une occasion avec Messi sur le côté droit. Une nouvelle fois, il réussit à nous éliminer notre défense. Il frappe. Mais bel arrêt de notre gardien qui nous sauve. On voit ici le crochet qui nous a mis dans le vent et son tir bien repoussé par mon gardien. Retour des vestiaires à la 56ème minute. Douglas Costa sur le côté gauche réussit à éliminer des défenseurs et il se fait prendre une deuxième fois. Deuxième carton jaune pour Rakitic.
qui sort, l'adversaire qui va finir le match à 9 contre 11, suite à ces deux cartons rouges. On revoit ici le tacle qui fait faute. 67e minute de jeu. Neymar sur le côté gauche réussit à rentrer dans la surface de réparation. On voit ici qu'il se promène un peu dans la surface. Mais après, il se fait très bien reprendre par l'adversaire qui réussit une très bonne interception. Alors qu'il est en infériorité numérique, il réussit à égaliser avec Messi à la 75e minute. Alors qu'il a deux joueurs de moins sur le terrain que nous. Donc très belle égalisation. 81e minute. On réussit à dribbler avec Douglas Costa et là regardez, ce but est splendide. Un but en skill avec une très bonne finition. On reprend l'avantage 2 buts 1 à la 83e minute. Et à la 89e minute, on va aussi équiper d'un carton rouge avec cette intervention en tant que dernier défenseur de David Luiz. Donc j'ai voulu anticiper et prendre la balle, mais malheureusement le joueur a touché le pied de Luis Suarez, carton rouge mérité. Et Luis Suarez, on le retrouve ici avec cette frappe. Et sur le corner, regardez ça, Messi qui vient égaliser une nouvelle fois de la tête, alors qu'ils sont à 9 contre 11. On revoit là la tête de Messi, qui vient battre notre gardien. On obtient aussi un corner à la 90e minute, mais malheureusement notre tête est repoussée par le gardien. Et sur le deuxième corner, Douglas Costa place sa tête, mais c'est à côté. Fin du match, alors qu'il était en infériorité numérique pendant presque toute la rencontre. Notre adversaire réussit quand même à faire un nul de partout. Et c'est parti pour le dernier match.